En matière de remorquage, les chiffres ont de l'importance. Voici l'essentiel à retenir avant le remorquage. Tout d'abord, voyons certains termes qui se trouvent dans le guide du propriétaire. Le PNBV, poids nominal brut du véhicule, représente le poids maximal autorisé de votre véhicule, incluant ses pièces, le conducteur, les passagers et le chargement. Lors du calcul du PBV, poids brut du véhicule, avec une remorque attachée, le poids de l'attelage de la remorque doit être inclus dans le poids que le véhicule transporte. Le PNBE, poids nominal brut sur l'essieu, est le poids maximal réparti sur chaque essieu. Le PNBC, poids nominal brut combiné, est le poids combiné maximal autorisé de votre véhicule chargé et de votre remorque chargée. N'oubliez pas que le poids de votre véhicule, avec le chargement, le poids de la remorque et le contenu de la remorque, ne doit pas dépasser le PNBC de votre véhicule. La charge utile est le poids que votre véhicule peut transporter en toute sécurité. Le poids de l'attelage consiste en la poussée vers le bas exercée par le coupleur de la remorque sur l'attelage du véhicule. Pour les remorques conventionnelles, la règle générale est de maintenir le poids de l'attelage à environ 10 à 15 % du poids de la remorque chargée. Pour le remorquage en col de cygne ou à sellette, il devrait représenter 15 à 25 % du poids de la remorque chargée. Le poids nominal maximal de la remorque est le poids de remorque le plus lourd que le véhicule peut remorquer. On le calcule en supposant que le véhicule qui remorque comprend un conducteur, un passager avant et tout l'équipement de remorquage requis. Il peut être nécessaire de réduire le poids de la remorque pour rester dans les limites du PNBC, du PNBV, de la charge maximale à l'attelage de la remorque ou du PNBE arrière du véhicule. Le poids à vide est le poids de votre véhicule sans passager ni chargement. Il inclut le poids de ses équipements de série et en option, ainsi que son carburant, son huile et son liquide de refroidissement. Vous voulez connaître la capacité de remorquage de votre véhicule? Repérez l'étiquette d'information sur le remorquage se trouvant sur le montant de la porte du conducteur. Vous pouvez également consulter le guide du propriétaire pour en savoir plus. Ou consulter le guide de remorquage en ligne sur chevrolet.ca. Sélectionnez simplement votre modèle de véhicule pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez utiliser le calculateur de charge disponible dans l'appli mobile My Chevrolet. Appuyez simplement sur « Plus » en bas de l'écran d'accueil de l'appli. Appuyez sur « Remorquage », puis sur « Calculateur de charge ». Si votre véhicule en est équipé, vous pouvez entrer toutes les informations de remorquage nécessaires et l'appli vous indiquera si vous surchargez votre véhicule. Souvenez-vous de tous ces détails et vous serez prêt à remorquer.